Donc je ne m'y casse. Le sorcier purifie. Vous avez un minimum. J'étais à la maison, on intercédait pour le village. Écoute, c'est le mouille, la douane. Et j'ai vu le village que les sorciers ont pris. Vous gardez encore. Elle est cachée dans le, dans le, dans le trou de, des rats. Quoi, ce trou? Amen. Amen. Et j'ai vu beaucoup de. Et il y a eu un pratiquant. Amen. Amen. J'aurais dit, il y en a là-bas, Jésus est Seigneur. J'ai dit, il est calme. J'ai pris mon temps pour prier, le Seigneur m'a fait voir le village. Mais attends, quand vous voyez la carte à toi, ils ont caché son fils dans les reins. Où est-ce que vous pouvez? Toi. Chose malheureuse, c'est que, énormément, il y a déjà 11 personnes, quoi que moi, on connaît, qu'ils ont déjà tué. Mais Jésus fera un miracle. Jésus fera un miracle. 11 personnes, quoi que moi, qu'ils ont déjà tué. Mais Jésus, fera quelque chose. On est devant nous. Si à quelqu'un, Jésus fera quelque chose de tout. Si à quelqu'un Jésus fera quelque chose pour toi. Si à quelqu'un Jésus est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Thank you.
y a quelqu'un, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je suis le prophète Joël Crasso. Normalement, le prophète Joël Crasso. Je suis le responsable du ministère de la compassion des âmes. Et le même ministère d'évangélisation. Nous sommes évangéliques. Amen. Je suis le responsable de centre d'écoute de Zivo. Centre d'écoute de Zivo. Responsable du centre de prière de Zaroko. Les Zarokounais, vous êtes dans. Amen. On m'a surnommé le maréchal de la brigade quand tu sortis. Moi, je combats la sorcellerie. Vous avez les photos. Amen. Donc, je mets tous les sorciers au défi. Je te demande d'essayer. Si tu je mets tous les sorciers au défi. Vous savez, la sorcellerie est un pouvoir. Limité. Moi j'ai moi un pouvoir illimité. Et la Bible dit que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le pays. Et le dans le marabouta. Ah ouais, comme vous voulez. Mais vous savez, vous comme moi. Je vais vous parler de Jésus. Amen, il est quand Jésus vient dire ça. C'est ce que Jésus peut faire pour vous. Amen, Jésus vient garder nous. De la protection de Jésus-Christ. Oh, amen, il est Jésus, il va te dire. C'est ce qu'il peut faire. Amen, non, non. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est ce que Jésus peut faire encore. Jésus, on y va, amen, il va garder nous. Je vais vous parler de Jésus. Il est quand on peut dire ça à Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et où allez-vous quand il vous dit? Vous savez, généralement, je suis invité par un village. Le dire à l'ami. Mais ce soir, c'est pourquoi la famille là qui m'invite. Mais le premier ami. Amen. Amen. Gloire à Dieu parce que tout le monde. Pourquoi l'avons connu? C'est ça. Jésus. Jésus, on est le gâteau qu'on partage avec tout le monde. Les gâteaux qu'on va dire donc. Alléluia. Amen. Ce gâteau là qu'on va tous manger. Moi, il me dit un gâteau. Ce gâteau là nous fera du bien. Nous, les gars, un gâteau. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu, j'aurai l'occasion de révéler. La venue est là, un coton. Spécialement pour le village. D'où allez-vous, Gaïe? Le village est plus limité. Limité dans le sens où. Non, c'est là. Écoutez. Oui, famille. C'est le bloc, oui. Donc ça va faire que je serai un peu limité. Et bien, il y a un homme, la cour. Il y a peut-être plus l'occasion de m'inviter. Mais il y a à l'âme. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Oui, il y a un tout con. Et quand vous savez, tant qu'un village n'est pas délivré, le tout difficile de rien. Les ressortissants de ce village, là, tout le quoi, ont tous des problèmes. C'est ce qu'on appelle la souche. Mais alors, il y a. La souche. Il y a. Ce n'est pas délivré. Et puis, vous savez, on délivre un corps humain. On est délivré. Vous avez l'impression que vous qui êtes dans le même village ou moins, à côté de vous, vous avez les mêmes problèmes. À côté de vous, il n'y a pas d'avancée. Amen. Le village a besoin d'être délivré. Dieu va t'avoir détruit. J'ai vu beaucoup de choses. Le village a besoin d'être délivré. Mais tu vas t'avoir secours. Je suis issu d'une famille musulmane. Amen. Et voilà mon témoignage. Les musulmans, quand même. Comment je suis venu en Jésus? Il est Jésus. Comment j'ai expérimenté Jésus? Il est Jésus. Comment j'ai découvert Jésus? Il est Jésus. Je suis issu d'une famille musulmane. Moi, ma mère. Et non. Elle est pleine malienne. Elle est malienne, pleine. Mon papa. Et non. Il est bêté de Gagnon. Elle est bêté de Gagnon. Elle est musulman. Elle est musulman. Donc, moi, j'ai fait l'Akba. La vie, il est. Voilà. Avant de venir dans Jésus. La première fois où j'ai entendu parler, aujourd'hui, je suis révolté. Contre ce mal. Qui roge l'Afrique. Et qu'on appelle sorcellerie. Je suis l'homme de Dieu qui n'a pas peur de parler de ça. Et je n'ai pas peur de parler de ça. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont là. Mais vos pouvoirs sont neutralisés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment vous appelez-vous? Il est là, mon. Comment vous appelez? Moi, ça. Oui. Nagini. Venez me saluer. Dis-moi, t'es bon. Ah, c'est vrai, tu s'appelles?
Je serai beaucoup limité. Amen. Amen. Plus tard, ça sera interprété. Amen. Amen. Comment je me suis levé contre ce fléau? La première fois où j'entendais parler de la sorcellerie, c'est mon papa. Et tout mon goût, mon père. Et tout. Qui nous parlait de la sorcellerie. Dans mon village, il y a trop de rouge rouge. Ah, ça a été mon pion. Vous êtes dans Mauritanie ou bien? Amen, il y a trop de rouge. Amen. Vous êtes dans Mauritanie ou bien? Amen. La première fois où j'attendais parler de Jésus, de la sorcellerie, c'est mon père. Et tu vois ça, dit pourquoi vous avez comment? Parce qu'il était beaucoup attaqué, mon papa. Non, mais tu vois, là, vous venez comme ça. Chaque mois, il a attaqué. Tu vois, mais quand vous pouvez cliquer des crises dans la chambre. En train de crier, hurler. Et puis, un matin, on annonce à mon père que sa plantation a pris feu. Il a fait 100 hectares, imaginez-vous. On a hectare grébé. Cacao, paf, ça prend feu. Pourquoi vous dites que c'est pas une question de nom, une partie a pris feu. Et là, même plus à cause de vous. Tout ensemble. Vous comprenez? Allez, je tout a pris feu. On vient à cause de. Et mon papa s'est rendu au village. Les tombes, à nos il a vu son nasidi. Non, il est bien il est bien rassasié. Non, on nous les nîmes. Et puis il est rentré au village. L'oubli, il vient à nos. Amen. Amen. Il constate les faits. On y a oui. Et puis la police a menacé les sorciers. On a quoi? Je ne parle pas avec eux. Moi, on a dit, tu n'as pas une protection. Et tu dis, tu viens quand? Moi, je vous menace parce que vous pouvez rien contre. Amen. Je suis le total. Amen. Et j'ai ça. Oui. J'ai bouclé sur avant d'entrer ici. Et bien, tu vois, il brise. Amen. Et tu veux plus le cadeau que je vais vous donner là. Allez, comment, comment, il y a 2, 3, jusqu'à 10. Vous allez voir trois grands sorciers tomber dans. Allez, vous gâtez, allez, vous gâtez. Si c'est toi-même, parce qu'il y a des sorciers là. Et mon père parlait de la sorcellerie, a commencé à menacer les sorciers. Et tout le monde a dit. Et quand elle est sortie du village, le Oulodou, il a fait tonneau. Oulia, il a eu toute fracture. Oh, connaissez vous. Sorcier, je parle avec eux. Vous avez dit. Donc il a mis croix rouge sur le village. Non, non. Et mais quand il nous a dit, ne plus jamais mettre le village. Ah, mon ami, ah, mais dans le coup. Moi, je suis content d'être dans le village. Et à même moi, regarde, c'est pas mes habitudes. Et là, mais quand je n'ai même pas entendu parler du village. Et là, nous, je tout croyais le village en sorcellerie. Et il y a tout village en sorcellerie. Donc mon père commençait à manier de combattre la sorcellerie. Il y a dans les gens de tous ceux qui ont qu'on appelle village. D'où on y en voit, quand quelqu'un parle de sorcellerie, on peut voir. Il menace la personne. On en est encore au village. Et mon propre père. Chaque mois, tu vois, mais il nous faisait boire le nasidu. Oh, il y avait un nasidu. Ceux qui connaissent le nasidu, j'explique. Oui, il y avait un nasidu. C'est des versets, des sourates, des versets coraniques. Et le canard, on est. Le Christ est bête. Oui, oui, oui. On verse l'eau là-dessus. Lorsque nous, c'est bien noir, en vrai, sauce. Utilisez plus petit. Non. Non, pas tes grédits. Tout champion noir. Que tu bois. Oh, 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 oh. C'est dans ton ventre. C'est une manière de te protéger. Et là, on s'est utilisé. J'étais le plus grand buveur de nasidu. Non, non, mami. Chaque mois, on nous faisait boire la soupe. Tu vois, oui. Pour protéger contre la sorcellerie. Non, pourquoi tu as un bouillet. Et mon papa avait les ceintures. Non, quand on a mis, ça avait eu dans mon pédé. De sécurité. Non, mais, parce que lui, ils ont utilisé. Vous savez que ceinture, avant de se laver, ah, bah, on a l'air. Et sauf maintenant,
La sorcière va lui montrer que il est plus intelligent que lui. Donc en 93, il est rentré dans la douche. Dès qu'il a fait ça, on s'en remet. La sorcière a pris. Il y a une belle bouche. Tu ne peux pas. Ça fait tomber. Au point. Il va commencer à l'étrangler. Voilà, on va commencer à pousser un cri. On calme. On m'étrangle. C'était très tôt le matin. Parce qu'on a dit. Tout le monde s'est levé. Un macalon. Du lit. Couché dans la douche. On a mis le demi. En train d'agoniser. Donc on a levé de la douche. À sommet. Et pour la sauce au salon. Là, on a dit demi. Lutter avec la mort. On a fait peur. Il sentait qu'il luttait avec mes soucis. Mais sa parole, on me tremble, Et puis, paf, il a bavé. J'ai vu mon père mourir. C'est ça que je joue pas la sorcellerie. Je joue pas ça. Je suis farouchement. C'est vrai que moi, je ne tue pas le sorcier. Mais j'ai une manière de régler ça. Comme j'ai réglé vos problèmes là. Il a un mais j'ai réglé ça. Il est bien. Amen. Les piquants qui vont tomber. Avant les prix. D'ici le 10, vous allez voir. Ils vont parler. Vous savez, quand on vient comme ça, eux sont les premiers à nous attaquer. Ils sont les premiers. Moi, il y a les jamais je n'ai peur de la société. Les sont le boucamion. Jamais. Je suis le baïgon. Amen, il y a un baïgon. Je suis le totem. Amen, il y a un guillet. Ils savent. Oui, il y a un oubli. Celui qui a s'amusé, il va voir qu'il chute. Ah, moi, il y a un oubli. Il chute. J'ai reçu ce don là de Dieu. Et il y a la même pas. S'il y a la sorcellerie, vous n'avez pas connu. Dieu doit donner le pouvoir aux autres. Pour neutraliser la poule. C'est cela qui m'a donné ce don. Alors ils ont lutté mon père dans la douche. Et jusqu'à il est mort. Sous nos yeux. La réunion n'est pas en train de mourir. Quand il a rendu l'âme, c'est fini. Un corps sans vie. On le pouvait bien. Alors c'est mon frère aîné qui a dit, mais regardez le. Et nous comment il a abattu son cou parce qu'il dit. Abattu père. Il sait que le 2 février. Oh, bébé. Bouge-toi. Jésus va te délivrer. Amen. Avec lui, il y a toujours l'espoir. Moi, Dieu pour lui a dit d'avion. Mais la relève est révélation. Il va vivre pour te délivrer. Amen. Donc, on est en train de Amen. Même sur la base de nos problèmes. Moi, par exemple, c'est pas une question d'état. Vous m'avez venez où? C'est ce qu'il dit aux gens. Mais il a quoi? Les pratiques mixtiques existent. Et on essaie de faire du mal avec. Donc, ils n'ont pas mystiquement, ils l'ont tué. Ils l'ont mystiquement tué. Donc, on ne peut pas, même la science. Quelqu'un qui veut faire autopsie, il ne peut pas. Non, il ne peut rien. Donc, on l'amène à l'hôpital. On l'introduit à la morgue. Alors, c'est le morguier qui nous a encore choqués. Il nous demande qui l'a étranglé. Donc, nous, ça nous a choqués. Moi, ça m'a personnellement choqué. J'ai suivi le corps de mon père. Et c'est saigné du nez. Le corps saigné du nez. On l'a vraiment étranglé. Il y a des choses que l'œil ne peut pas voir. Le monde spirituel est une réalité. Et ce monde là, visible, il y a un autre monde qui commande ça. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est ça que Jésus dit. Tout ce qui vous liez sur la terre est lié dans les cieux sur le monde spirituel. Tout ce qui vous déliez sur la terre est lié dans les cieux. Tu es là, tu es là. Et qu'on est attaché. C'est comme ça. On t'a attaché. C'est comme la jeune fille.
Ils ont bloqué toute sa vie. Toute sa chance. Parce que c'est une jeune femme qui doit être reçue dans le commerce. On prend sa chance. On va enterrer ça dans un canari. C'est une femme qui a la base de ça. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle les pratiques mystiques. Les pratiques mystiques. Mystiquement, on peut t'enfermer. Le monsieur est en train de causer à toi. Comme il sait que tu es fort, ton étoile brille, il te prend pendant que tu es parlé avec lui, il peut te mettre dans une bouteille. Les pratiques mystiques. C'est une réalité. Avant. Avant, pas maintenant. Si vos parents prenaient ça pour être garçon dans le village. Avant, il n'y a pas sorcellerie. Et donc, vous n'êtes pas garçon. Et nous, d'autres prenaient ça, disent que soit.